Hello, bonjour à tous. Vous êtes à Mince. Bonjour, Katcha. Chakacha. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, Metalgia. Aujourd'hui, le temps est nuageux. Il fait quand même bon. Je suis près de l'ours. Sculpture qui a été faite à la tronçonneuse. Je vous fais un petit panorama. Mais aujourd'hui, pas de ciel bleu. Je vous laisse regarder les maisons typiques. Du Valais, Val d'Airain, en pierre sèche et mélèze. Et je vais m'installer pour le petit compte du jour. C'est la place de jeu de notre village. J'ai trouvé une jolie histoire de sagesse sur les grands-mères dont je suis. Grand-mère. Voilà, on est parti. J'essaie de vous trouver un beau panorama. Voilà. Grand-mère. Que fais-tu, grand-mère, assise là dehors, toute seule? Eh bien, vois-tu, j'apprends. J'apprends le petit, le minuscule, l'infini. J'apprends les os qui craquent, le regard qui se détourne. J'apprends à être transparente, à regarder au lieu d'être regardée. J'apprends le goût de l'instant quand mes mains tremblent. La précipitation du cœur qui bat trop vite. J'apprends à marcher doucement, à bouger dans des limites plus étroites qu'avant et à y trouver un espace plus vaste que le ciel. Comment est-ce que tu apprends tout cela, grand-mère? J'apprends avec les arbres et avec les oiseaux. J'apprends avec les nuages. J'apprends à rester en place et à vivre dans le silence. J'apprends à garder les yeux ouverts et à écouter le vent. J'apprends la patience et aussi l'ennui. J'apprends que la tristesse du cœur est un nuage et nuage aussi le plaisir. J'apprends à passer sans laisser de traces, à perdre sans retenir et à recommencer sans me lasser. Grand-mère, je ne comprends pas. Pourquoi apprendre tout cela? Parce qu'il me faut apprendre à regarder les os de mon visage et les veines de mes mains, à accepter la douleur de mon corps, le souffle des nuits et le précieux goût de chaque journée. Parce qu'avec l'élan de la vague et le long retrait des marées, j'apprends à voir du bout des doigts et à écouter avec les yeux. J'apprends qu'il faut aimer, que le bonheur des autres est notre propre bonheur, et que leurs yeux reflètent dans nos yeux et leur cœur dans nos cœurs. J'apprends qu'on avance mieux en se donnant la main, que même un corps immobile danse quand le cœur est tranquille, que la route est sans fin et pourtant toujours exactement là. Et avec tout ça, pour finir, qu'apprends-tu donc, grand-mère? J'apprends, dit la grand-mère à l'enfant, j'apprends à être vieille. Voilà, c'est une source de Joannus Bachot que j'ai pris dans lespasseurs.com, une petite réflexion quant à l'état d'être grand-mère. Bonjour, vous êtes à Maz, j'ai lu un petit conte de sagesse. Je vous fais un petit panorama. C'est en Valais, en Suisse. Aujourd'hui, c'est nuageux.
Et si jamais, vous pouvez écouter le petit conte sur la grand-mère en replay. Bonjour! Donc, vous êtes en Suisse, dans un petit village touristique où on fait beaucoup de randonnées. Là, c'est un ours qui était sculpté à la tronçonneuse. Aujourd'hui, c'est nuageux. Fait un petit panorama. Là, j'habite à Maz. C'est à 15 minutes de Sion, en Valais, en Suisse, dans une région de moyenne montagne. Aujourd'hui, c'est nuageux. C'est un petit village où nous pouvons faire de jolies randonnées à flanc de montagne. Bonjour. Et chaque jour, à 11h15, je vous lis une petite histoire de sagesse. Si jamais vous voulez écouter, c'est aujourd'hui sur la grand-mère. C'est juste une petite réflexion. Non, j'ai pas de WhatsApp. Et là, nous exploitons un restaurant qui s'appelle le Vieux Bourg, où nous louons des chambres d'hôtes. Oui, j'ai sur Facebook le Vieux Bourg, Mas de Vieux Bourg sur Facebook. Voilà. J'espère que demain on aura un peu du soleil, que je puisse mieux vous montrer notre région. Donc tous les jours à 11h15, le petit conte, l'histoire de sagesse, juste un petit temps de réflexion. Voilà, belle journée et à demain. Merci, au revoir.